Azim, par ici. Tu es plus petit que dans mon souvenir, Basim. Et toi, tu n'as toujours pas grandi d'un pouce, Rebecca. Allons, nous ne sommes pas ici en ennemis. Non, mais nous n'avons jamais retenu nos coups à l'entraînement. Roshan m'a dit que tu étais de la région. D'une certaine manière. J'ai vécu ici avant de partir pour Anbar. Cet endroit n'est pas différent de ceux où j'ai vécu. Les riches se torchent toujours avec les guenilles des pauvres. C'est bien le cadre que j'ai connu. Non, loin de là. Rebecca a découvert un quartier rongé par la corruption. Et bien plus que d'ordinaire. Des rumeurs de harcèlement par les autorités, des marchandises confisquées. Nous pensons que quelqu'un a mis la main sur le quartier. Laisse-moi deviner. L'ordre. Il doit se tenir une grande vente aux enchères, le Dairat al-Mal. L'occasion annuelle pour les porteurs de soie de comparer leurs richesses. Fort logiquement, on n'y est admis que sur invitation. Il y a de grandes chances que l'une de nos cibles y assiste. Alors, accédons à ces enchères et découvrons qui est derrière tout cela. Mumtaz, tu comprends vite. Et toujours plus vite que toi. Si l'on remonte à la racine, on trouvera peut-être des indices. Je peux te montrer où tout se trame. Rejoins-moi dehors quand tu seras prêt. Et du coup, les amis, on se retrouve pour le début de la semaine avec Assassin's Creed. J'ai changé de tenue. J'ai mis celle d'Altaïr. Pour changer un petit peu. Et du coup, on est parti pour tuer le quatrième membre de l'ordre. Enfin, je l'espère, cette semaine. Me voici. On verra bien. Prêt, Basim. Car nous attend. Allez, go. Je suis prêt. Allons-y. On va aller vendre du tissu. Avais-tu déjà pensé que tu reviendrais ici, à Kar? Non. J'ai passé une bonne part de mon enfance dans ces rues. À me faire des amis parmi les rats et les cafards. Certains souvenirs sont agréables, la plupart amers. Les souvenirs ne font que nous distraire. L'ordre a étendu son influence jusqu'à chaque craquelure de la ville pour faire de Bagdad son domaine. Cela va changer. Nous portons une lourde responsabilité. Le fléau de l'ordre règne sur Kar. Et nous sommes les seuls à pouvoir l'en libérer. Maître, comment Rebecca s'adapte-t-elle à Kar? Elle n'aime pas la politique. Mais elle sait où est son devoir. Kar réclame une accoutumance. Les crocs en jambes en affaires. L'obsession pour l'argent. Les parfums. Les gens d'ici sont heureux de se perdre dans un paradis personnel. Un paradis que seuls peuvent s'offrir les riches. Des riches, trop souvent corrompus. Bon, du coup, beaucoup de blabla, j'ai pas à parler énormément. Mais je trouve que c'est important de bien suivre l'histoire. Oh, excuse-moi, jeune enfant. Oh, je comprends pas ton langage, mais ça doit pas être gentil. Ok, donc du coup, Alfred, elle accélère. On est parti pour, comme je disais, le quatrième membre de l'ordre. Et à mon avis, je pense qu'il va refalloir une semaine pour le faire, comme à peu près à chaque fois. À moins que celle-ci va plus vite. Bien, nous oui. Y sommes presque. En tout cas, j'aime beaucoup ce coin. On n'y est pas encore été. Mais du coup, on va... Oui, voilà. On va pas être trop les bienvenus, parce qu'on est, on n'a pas d'invite. Un chat. Voici à Kar. Il voit rien. L'air est toujours chargé d'épices. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as pris une vie? Je m'en souviens à peine. C'était un homme que je connaissais bien. Avant tout cela. Avant ce qu'on ne voit pas. Tu ne t'en rappelles même pas? Mes souvenirs sont enterrés avec lui. J'ai refusé de me laisser hanter par sa mort. Son souffle m'a assez hanté de son vivant. Je ne me laisserai pas définir par le passé, Basim. C'est pour cela que je me considère comme la fille de personne. La si femme. Nous ne maîtrisons pas la tempête qui est en nous lorsque nous sommes éveillés,
Elle envahit nos rêves. Un peu comme toi, avec ton djinn. Ça me fait rire parce que dans notre milieu, un djinn, c'est pas du tout ça, donc c'est pas du tout terrifiant. Voici le souk. Comme l'a dit Rebecca, des gardes sont venus récemment. Ils ont cassé des bouteilles et ventré des caisses. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Tâchons de l'apprendre. Ils s'empareraient aussi de marchandises étrangères. Surtout des marchandises venues de l'Est. La voie de l'Est, dis-tu ? Je pense connaître quelqu'un qui peut nous aider. Cela fait longtemps, mais il est peut-être encore là. J'aurai grand plaisir à le revoir. Ne laisse pas la nostalgie embrumer la réalité, Basim. Aucun risque. Je sais bien que tout est amené à changer. En tout cas, ça se voit qu'on est avec la chef, on parle un petit peu plus et on fait moins de boulot, hein. Cela fait longtemps. Je me demande ce qui a pu changer par ici. Ok, du coup, il y a vraiment des gardes partout. Est-ce que notre aigle peut trouver quelque chose du tout ? Cela fait longtemps. Je me demande ce qui a pu changer par ici. Je pourrais commencer par rendre visite à un vieil ami. Ouais, mais du coup, il est où ton vieil ami ? Parce que là, tu nous aides pas du tout, en fait. Alors, est-ce qu'ils vont nous laisser passer ? Oui, ils nous laissent passer. Bon, littéralement, je pense que ça doit être totalement là-dedans. Je vois pas pourquoi ils auraient fait cette zone pour en faire... Oh, c'est stylé en tout cas. Pas grand-chose, et bingo. Ça a l'air d'être lui. Elle aurait d'ailleurs mieux fait de payer la première fois qu'ils l'ont menacée. Moi, je m'en sors à peine avec ce nouvel impôt sur nos échoppes. Du pas coup, facile les affaires. Faudrait que je m'assoie. Ou je peux leur parler peut-être. Non. Du coup, j'aimerais bien savoir si on peut s'asseoir, mais je ne crois pas. Ah, ça y est, en fait, fallait juste les écouter. On va continuer, du coup, on va suivre un peu tous les mecs en orange. Tout est brisé, détruit. Ces gardes, ils sont vraiment sans pitié. Tout cela n'est rien. Sais-tu seulement ce qu'ils font à la marchande de parfum ? Ok, bon du coup, ils ont pas l'air d'être trop sympas ici. On va continuer. Et la zone là, par contre, le souk est vraiment stylé. Ah oh ouais. Ça vit bien, il y a vraiment beaucoup de choses. Ok. Si on a dit, c'est bien trop long. On m'attend ailleurs. Et cela vaut à peine les maigres pièces qu'on me paye. Coupe-lui un doigt, tu vas voir. Ça va peut-être l'aider à ouvrir sa bourse. Du coup, je dois me battre, c'est ça ? Oh ! Alors, tu te battes ? J'avais compris. Ça, c'est bien joué, ça. Ça suffira pas. Et merci. Allez, je te libère. Tu m'as sauvé la vie. Bon, dis-moi, pour quelle raison les gardes t'ont-ils agressé ? Je n'ai rien fait. Je manquais simplement d'argent. Les affaires sont les affaires, mais je n'ai pas de quoi acquitter leur impôt. Tu as donc du mal à vendre tes marchandises ? Non, mais ils ont récemment augmenté la somme qu'ils me réclament. C'est bien là le problème. Pas seulement pour toi, j'imagine, mais aussi pour d'autres. Surtout pour ceux qui, comme nous, viennent d'ailleurs, ou n'ont pas les mêmes croyances. Ma foi, Car n'est pas un endroit facile. Une de mes cargaisons a du retard. Je crains que mes bêtes et mes marchandises aient été saisies par les gardes. Elles auraient dû arriver avec des marchands qui se rendent au Dairat al-Mal. Si tu veux me rendre service, l'ami, tâche de les trouver pour moi. Entendu. Ils devraient être sur la route qui mène à la porte sud de Bagdad. Je sais. Je pourrais les rattraper au point d'eau sur la route du sud. Merci à toi, Saïdi. La route qui se trouve au sud de Bagdad, a-t-elle dit. Voyons si je peux trouver ces marchands égarés.
En tout cas, même ici, y a des augmentations, ça coûte plus cher. Les impôts, ils montent, même ici. Ah ouais, du coup, c'est à 1013 pas. Est-ce que c'est vraiment là qu'on doit aller? Est-ce que ça fait vraiment partie de la quête? Ah, y a l'air, hein. Ok. Ça, c'est fait. Ah, ils disent que c'est vraiment fait, ok. Ah, c'est super loin, hein. Bon, du coup, c'est fini, on laisse le souk. Je pensais pas que ça aurait été aussi vite, en vrai. Mais bon. Les marchands sont coincés près d'un... Ok. Bon. Je voulais pas faire ça, mais c'est mi-grave. Allez, c'est parti! Allez! Numéro bis! Oh, il veut pas, hein. Il veut pas! Attention à la tête! Il veut vraiment pas! Il est pas en forme aujourd'hui! Excusez-moi! Ah, mais là. Ah! T'as peur de l'eau? Oh non, t'as pas peur de l'eau, regarde ça! Bien joué! Oh putain, mal joué! Zone interdite! Cours! Cours, petit! Oh là là, ici on a le droit! Je crois pas que je devrais être là. Oh. C'est un combat de coq. Excusez-moi. Ah oui. Je crois que j'ai fait peur au coq, par contre. Vraiment navré. Attention. Bah oui, mais... Et la rue, c'est pas fait pour les piétons, hein. Bon. Ça y est, on a l'air d'être déjà sur une route un peu plus correcte. Voilà, voilà. Attention, messieurs, dames. Eh, mais vous me voyez pas arriver avec mon gros dromadaire? Allez, il va pouvoir accélérer un petit peu. Oui, voilà. Brave bête. C'est quoi ça? Ah, c'est des moutons. Avec des biches. Oh, au final, ça va. C'est un petit bout de route, mais au moins, on est à l'extérieur de la ville. C'est agréable quand même d'être des fois à l'extérieur un peu de la ville. Par contre là je vais devoir m'essouffler parce que je suis plus sur la route. Mais bon, on n'est pas loin. Plantation de bananes, hein. Voilà, voilà, attention. Ouais, j'aurais pu assez de jus. Calme-toi. Allez. Essaye de retrouver une route. Oh. Examine les deux. Allez, Aikidou. Ce campement, sûrement l'endroit où se trouve. Normalement, marché. J'avais mis des points pour que mon aigle y ait un casque. Attendez. On peut pas? Ouais, j'avais fait en sorte que mon aigle y avait un casque normalement. Ouais, je l'ai peut-être pas acheté. Moi, je sais pas. Ah, c'est pas grave. Oh l'attaque. Les marchands devraient être sur cette route. Parions qu'ils sont près d'une corniche. Oh là. À l'abri. Aikidou. C'est des méchants ou pas? Mais pas du tout, c'est pas du tout des méchants. Oh, il y a des jolies flamants roses. Et c'était vraiment beau ce petit coin. Petit oasis avec plein d'oiseaux. C'est vraiment beau. Allez. Halt, qui? Qui va là? Je viens ici en paix. Assalamu alaikum. Je suis envoyé par l'une de vos amies, qui s'inquiète de votre sort. Comme te l'indique la tête de ce cheval, elle n'a pas tort de s'inquiéter. Nous ne savons pas quoi penser de tout cela. Laissez-moi vous aider. Je peux peut-être découvrir ce qui est arrivé. Nous t'en serions reconnaissants. Le coupable a dû laisser un indice. Des traces de pas et de sang. La tête de cheval a été apportée au centre du campement. Mon cheval, mon aubergine adoré. Malaka, qui a pu faire une chose tranchante. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai rien fait de mal, moi. Ouais, on dit tout ça, hein. Hé, toi, on va te parler. Reviens, toi. Pourquoi on t'accuse?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé durant la nuit. Je n'ai pas bien vu, mais il me semble avoir vu quelqu'un. Je crois, je n'en suis pas sûr. Ouais, ça c'est pas vraiment des indices, hein. Moi aussi je peux te dire ça, hein. Yep. Ah là-bas, un gros indice. Allez, ça, si je m'y connais pas... Voilà. Mais excusez-moi, mais parce qu'il y avait des indices là-dessus, hein. On sait jamais. Du coup, on va peut-être parler au mec. Ouais, bah oui, forcément, faut qu'on parle à lui. Est-ce que c'était ton cheval? Il est chez Hadès maintenant. Non seulement je dois me soucier de la cupidité de Bagdad, mais je dois aussi m'inquiéter pour mes bêtes. Malaka. Hein? Repose en paix, mon aubergine. Ouais, aubergine. Je vois pas où il a vu ces traces de pieds, en vrai. Moi, je vois que dalle. C'est un indice, ça. Hop, j'ai pris un indice. On sait jamais, hein. On sait jamais. Ouais, bon bah du coup, on va aller voir peut-être un peu plus loin. Oh, ça m'étonnerait que ça soit plus loin. Hein. Je vois pas un autre indice. Oh! Défi principal accompli, bah, je ne sais pas pourquoi. Gain de niveau, ok. Bon bah écoutez. Non bah je vois pas, hein. Pourtant ça doit être clair, mais... Sois mes yeux, Enkidu. Tu vois rien, Enkidu? C'est quoi ça? C'est quoi ça là-bas? Excusez-moi, je vais revoir un indice. Très important cet indice. L'achat! Toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah du coup, c'était pas vraiment un indice.